parlait. Je suis en train de dire que franchement, ces gens-là sont tellement toxiques, ce monde-là est tellement vicieux, tu n'as pas idée. Parce que c'est en autre sens, au mois d'août que tous les problèmes sont commencés, tu vois. Donc, j'étais en relation avec elle depuis le mois de janvier, je suis en relation avec elle. Mais elle me soumettait à certaines pratiques qui ne me plaisaient pas beaucoup. Mais je me sentais bien, du coup, je le faisais quand même. Mais un jour, elle a voulu pousser le bouchon un peu trop loin, tu vois, entre la sodomie, les partous avec les grands messieurs de ce pays et tout. Je lui ai dit que non, moi, ce n'est pas mon niveau là-bas. Moi, je sais que non, je prends mon pied en faisant ce que je fais, en me touchant et tout. Donc, je ne peux pas donner mon anus comme ça. Si toi, tu le fais, moi, je ne suis pas à même de le faire. Ce n'est pas possible, tu vois. Exactement. C'est comme ça que j'ai mis un terme à la relation. Au mois d'août, hein, on était au mois d'août. J'ai mis un terme à la relation. Elle a commencé, je lui avais envoyé un message, j'avais mis un terme à la relation par message. Elle m'a dit, ok, tu es une grande fille et tout, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à appeler ma copine qui vit au nord, une amie à moi qui vit au nord. Elle dit à ma copine là que une femme ne peut pas lui dire c'est fini comme ça, une femme ne... Un jour, elle avait compétition au Nigeria avec les filles, avec les Lions indomptables. Elle était au Nigeria. Un numéro du Nigeria m'envoie mes vidéos qui étaient dans son téléphone. Je rappelle, elle était la seule à voir cette vidéo-là. Oui. Parce que c'est Donc, elle elle qui avait les pris mes avait vidéos prises. avec son téléphone, lui. Elle était la D'accord. seule à les avoir. Moi, mais je ne les avais pas. Un numéro du Nigeria m'envoie les vidéos et m'appelle trois fois appelle vidéo. Je ne décroche pas. Je dis que non, ça, c'est peut-être derrière les menaces de mort. On ne sait jamais. C'est pour ça que je n'ai pas décroché d'appel. 2 jours après, mes vidéos deviennent virales. Mon Dieu. Elle traite les faux comptes sur Snap, elle envoie son genre par les faux comptes, elle dit comment je lui dois de l'argent, machin et tout. Et jusqu'ici, elle dit que ce n'est pas elle qui fait cette vidéo-là. Non, si c'est elle. Parce que tu ne peux Elle dit pas. qu'elle est Tu la ne. seule à avoir cette Tu, vidéo. oui, Elle dit exactement. qu'elle est à son nom, tu vois. Elle a Oui. réclamé le téléphone qu'elle m'a offert. Elle a reconnu une somme de 10 500 000. Oui. Mais est-ce qu'elle ne On t'a m'a pas. amené. Elle ne t'a Une somme qu'elle ne m'a jamais jamais remise. donné, Tu penses oui. que je lui ai demandé l'argent parce qu'elle savait que j'avais des problèmes, je voulais déménager. Je lui ai demandé 2 millions pour mon déménagement. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a jamais donné cet argent. Mais elle est partie me porter plainte au niveau de la PJ pour 10 500 000 juste pour me mener la tétue. Et comme le pays est ce qu'il est, on m'a enfermée, j'ai dormi à la PJ un jour. Hey, mon Dieu. Le lendemain, on m'a déféré au parquet. Quand on me défère au parquet, au niveau maintenant de voir les sentences de tout un chacun, les procureurs se demandent, mais comment vous dites que la fille te doit 10 500 000? Il n'y a aucune preuve, aucun appel, aucun rien, aucun message. Aucune transaction. J'ai perdu ça. Et l'idiote se place d'ailleurs pour dire comment je lui dois 11 millions. 11 millions sur quelle base? 11 millions de quoi qu'elle m'a remis. 11 millions. Elle me met les voix, les 11 millions là. Elle me met les voix.